Salut à tous les amis, on se retrouve aujourd'hui pour un nouveau vlog à Disneyland Paris. On est le vendredi 14 juillet et aujourd'hui c'est l'avant première de l'attraction Pirates des Caraïbes pour les passeports annuels Infinity. Donc on va faire ça aujourd'hui, on va vous montrer toutes les nouveautés qu'il y a dans Pirates des Caraïbes après sa rénovation. Et ça ouvre à 10h, là on est venu pour les temps de magie en plus. On a fait la photo avec Minnie juste avant, à l'ouverture, on vous met ça tout de suite. Donc c'est parti, on vous emmène avec nous pour cette nouvelle journée à Disneyland Paris. Allez hop, c'est parti. Des tasses dès le matin comme ça, ça réveille bien, ça fait du bien, un petit tour comme ça. Donc là il est encore très tôt, donc on va voir quelle attraction on va faire dans Fantasyland pour les heures de magie en plus. Donc de toute façon on vous emmène avec nous et on vous dit tout. Allez hop, c'est parti. Donc voilà, on vient de faire l'attraction Peter Pan, comme vous avez pu le voir. Je vous ai mis quelques images de fin de l'attraction avec Peter, Wendy, Crochet et Mouche. Ce qui est bien pendant les heures de magie en plus, c'est qu'il n'y a vraiment pas beaucoup de monde. Là, on a fait 5 minutes d'attente, même pas. Alors que normalement, il y en a pour une heure et demie à peu près. Donc c'est vraiment agréable les heures de magie en plus à Disneyland Paris. Donc là, on va voir qu'est-ce qu'on va faire d'autre dans Fantasyland ou à Discoveryland. On fait un petit tour et de toute façon on vous dit tout, on vous amène et nous on est impatients d'aller là-bas, là, d'aller à Adventureland, découvrir Pirates des Caraïbes après sa réhabilitation avec tous les nouveaux effets. Donc et de toute façon on vous filmera tout et on vous dira toutes nos impressions. Allez, c'est parti, on vous emmène avec vous. Les morts ne raconteront pas d'histoire. Les morts racontent des tas d'histoires. Vous les en croire, Barbe Noire. Oh,
pour nous, c'est magnifique. Je l'ai viré, maman le pirate. Vu que vous vous cherchez, capitaine Jack Sparrow, vous ne trouverez jamais le trésor sans cette jolie petite carte. Et encore moins sans la clé de la salle au trésor. Hop, allez, c'est parti. Après l'attraction qu'on a fait trois fois, on a adoré. On va faire un petit tour de la boutique pour voir les articles qu'ils y vendent, parce que je sais que vous aimez bien, nous savons que vous aimez bien les tours de boutique. Et là, nous sommes à la boutique de Pirates des Caraïbes. Donc c'est parti pour un petit tour de cette boutique. Franchement, ils l'ont bien refait, ils ont fait un très beau travail. Allez, bien. Ouais, on n'est pas déçus avec l'arrivée de Jack Sparrow, de Barbossa, l'effet dans la montée, comme vous avez pu voir dans la vidéo, c'est Barbe Noire. Mais nous, on l'a refait après une troisième fois, c'est David Jones qui est apparu. Donc c'est à notre grande surprise, à notre plus grand bonheur. On n'a pas eu le temps de filmer. On n'a pas eu le temps de filmer David Jones, mais bon, c'est pas grave, si on l'a refait la prochaine fois, on vous le mettra. Mais honnêtement, ils ont fait du super travail. Ouais, vous avez l'occasion de venir à Disneyland Paris à partir du 24 juillet. N'hésitez pas à foncer, même s'il y a un peu d'attente. Ça vaut le coup. Et de toute façon, il y aura un peu d'attente vu qu'ils ont refait l'attraction. Donc ça va susciter un intérêt particulier pour l'attraction. Honnêtement, on a beaucoup aimé. Ouais. Les animatroniques de Jack sont très bien faites. Sparrow, ouais, franchement, c'est bien fait. Nous, on a adoré. Aimé, ouais, l'attraction, elle a pris un petit coup de jeune. Ça fait plaisir, on ça est un peu. On se retrouve à la hauteur des autres parcs, des parcs américains. Ouais. On sera jamais à la hauteur de Shanghai pour Pirates des Caraïbes. Ah, hein. Non, mais bon. Ça c'est sûr, mais le nôtre est vraiment très bien. Ils ont refait les visuels, on voit mieux dedans, l'éclairage 100% LED, c'est bien. Donc honnêtement, on vous conseille cette attraction. Ouais, c'était bien. Si vous l'avez jamais faite, ce sera un super truc à découvrir. Si vous l'avez déjà faite, ça vous permettra de la découvrir différemment, honnêtement. Non, c'était sympa. C'est vraiment super sympa. On vous conseille. La prochaine vidéo sur les pirates, ce sera certainement une vidéo sur le nouveau restaurant, la rethématisation du Blue Lagoon en Captain Jack restaurant des pirates. On fera une vidéo entièrement là-dessus. Normalement, ça ouvre le 21 juillet, si mes sources sont bonnes, en général, elles sont bonnes. Donc voilà, on fera une vidéo de surprise. Sur ça, ce sera la prochaine vidéo pirates.
des Caraïbes. Mais franchement, l'attraction, on a adoré. Si vous avez l'occasion de venir à Disneyland Paris, n'hésitez pas à faire l'attraction et dites-nous dans les commentaires ce que vous avez pensé de ces premières images de l'attraction. Bah, nous, on va refaire un petit tour à Disneyland Paris pour cette journée du 14 juillet. Bah, on vous filme un peu qu'est-ce qu'on va faire. Mais honnêtement, Pirates des Caraïbes, on vous le recommande, bien, ouais. C'est top. Bien. Donc voilà, allez, on vous emmène avec nous, on continue notre journée. Bon les amis, voilà, ce vlog est maintenant terminé. On a rencontré le youtubeur Wonderhook, honnêtement, il est super sympa, on a discuté près d'une heure avec lui, il nous a donné plein de conseils, il nous a donné son avis sur notre chaîne et tout ça, franchement, il est adorable, ouais. C'est un mec simple, franchement, une crème, franchement super sympa, n'hésitez pas à vous abonner à sa chaîne, je vous mets le lien dans la description, il est super sympa, on a même fait une petite photo avec lui qu'on vous met ici tout de suite. On a fait aussi l'attraction de nouveau avec lui. Et on a fait aussi une quatrième fois Pirates des Caraïbes, on n'a pas pu résister. Mais honnêtement, Wonderhook, une superbe rencontre à Disney. Très gentil, aujourd'hui, un super youtubeur, un mec super sympa. N'hésitez pas à aller voir sa chaîne et vous abonner si ça vous plaît. Bah, nous, ce vlog est maintenant terminé. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à laisser un pouce bleu et à vous abonner à la chaîne. Nous, en attendant, on vous fait des bisous et on vous dit à bientôt. Ciao, ciao.